Alors, je suis Abigail Favier, professeure d'art plastique au Collège Jean Moulin. Au Collège Jean Moulin, il y a trois classes qui participent au projet. Deux classes de sixième qui en fait, ont eu la chance d'avoir les artistes qui interviennent et qui font de la création pure d'objets pour l'exposition. Et il y a une classe d'options. Et donc cette classe, ils vont eux participer au projet, ils vont intervenir sur le cadre de la scénographie. Et donc de mettre en scène dans l'espace les productions des différentes classes qui ont participé au musée d'histoire naturelle. On a axé tout notre travail tout au long de l'année sur la question du jardin. Donc ils ont fait plusieurs visites de jardin et ils travaillent en fait, par exemple en français, quand ils doivent travailler sur la Bible, ils travaillent en fait sur la question du jardin d'Éden. Donc ils avaient en fait cette idée de travail sur la nature et sur cet environnement-là. C'est une chance pour eux. C'est pour eux la possibilité de rencontrer des professionnels. Là, ils sont avec des professionnels du métier, et puis un métier qui leur paraît très lointain, très abscon, puisqu'en fait, c'est vrai que c'est pas clair pour eux, le travail artistique. Ils vont travailler sans s'interroger sur la question des notes, de la notation, sans s'interroger sur la question du bien faire. Ils vont être dans juste la notion de plaisir. On est avec, face à des élèves qui pensent que la culture, c'est seulement à Paris, c'est seulement au Louvre, et ce qui est quand même pas du tout le cas. Et là, c'est à 10 minutes de bus de chez eux, et personne n'est jamais venu jusqu'ici. Et donc, c'est arriver à enfoncer les portes d'un lieu culturel, tout en se rendant compte que c'est aussi simple que de pousser la porte d'une boulangerie, et qu'on y est accueilli, on y est bien accueilli.